Ce premier jour de printemps fut une journée bien triste pour la ville de Windenburg. Car un homme important et aimé de tous fit ses adieux. Voyez-vous, Elijah Fellington avait eu une vie bien remplie, du début jusqu'à la fin. Dolores Fellington commença l'éloge funèbre de son mari en évoquant leur premier rendez-vous. Elle reparla également d'une journée bien précise. Elle repensa également à ce jour, car elle n'avait jamais autant ri et ne s'était jamais autant amusée. Mais elle s'en souvenait plus particulièrement, car c'est à ce moment-là que son mari lui fit sa demande en mariage. Elle raconta le jour de leur union, qui fut très intimiste, mais tellement romantique. Dolores rappela également quel père extraordinaire était son mari, avec leur fille Diane. En parlant de leur fille, c'était au tour de Diane de se remémorer les bons souvenirs qu'elle avait eus avec son père. De leur longue partie d'échecs dans le parc du vieux quartier. Du jour où il lui acheta sa première bicyclette pour qu'elle soit plus autonome. Et le jour où elle vit dans les yeux de son père la grande fierté qu'elle lui avait procurée. Éléonore, la sœur d'Elijah Fellington, se rappelait de leur enfance. Du regard de son frère qui admirait le large, comme en quête d'aventure. De l'admiration qu'il portait aux personnes qui avaient façonné l'histoire. Puis ce fut au tour d'un des meilleurs amis d'Elijah, Louis, qui regrettait de l'avoir connu aussi tard. Le grand air ainsi que la pêche étaient leurs deux passions communes. Mais ce qui manquerait le plus à Louis était toutes ces après-midi passées au coin du feu à raconter tous les épisodes de leur vie. Voilà comment cette funeste journée se termina, en rendant hommage à un homme qui avait marqué leur vie. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là, car un autre membre de la famille d'Elijah se sentait bien seul maintenant. Le petit Edwin ressemblait fortement à son grand-père, car ils avaient la même passion, les livres. Mais Edwin ne se doutait sans doute pas un seul instant que c'est au travers des écrits de son grand-père qu'il découvrirait son plus grand secret. Et puis Edwin découvrit ceci. Et il comprit immédiatement que c'était son héritage. Edwin adorait les petites énigmes de son grand-père et comprit très vite ce qu'il devait chercher. Il s'agissait donc d'un livre qui devait être rangé entre deux ouvrages ciblant les passions de son grand-père, la pêche et l'histoire. En voulant attraper ce livre, Edwin déclencha un mécanisme et une porte s'ouvra. Le jeune homme n'en croyait pas ses yeux. Entre une table d'archéologie, des statues mayas, des squelettes datant de la préhistoire, la collection d'Elijah Fellington était tout bonnement incroyable. Mais ce qui attira l'attention d'Edwin était des ouvrages qui étaient sur le bureau de son grand-père. Le jeune homme se plongea dans les histoires de celui-ci, et ce qu'il constata n'était certainement pas des écrits d'un reporter lambda. Bien au contraire.